Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph est présenté par le frère Dominique Joseph. Lors d'une discussion avec des parents dont les enfants entraient dans l'âge adulte, il est apparu que c'était peut-être la période la plus critique pour l'éducation de la foi et ces personnes s'interrogeaient en se demandant si c'était le fruit de l'éducation religieuse qu'avaient reçue leurs enfants, ou bien les assauts inéluctables du monde dans lequel ils vivaient désormais de manière beaucoup plus autonome, en entrant dans l'âge adulte, qui pouvaient expliquer les doutes, les mauvaises habitudes qui se prenaient, et qui laissaient croire que peut-être ils allaient bientôt abandonner la foi. J'ignore évidemment si euh, ce constat est, est général. Et il est normal que des parents se remettent en question quand ils observent certains phénomènes dans la vie de leur enfant, qu'ils se disent ⁇ j'ai peut-être raté quelque chose ou mal fait certaines choses ⁇ Mais il me semble que nous touchons dans cette situation l'importance pour l'Église aujourd'hui de se réapproprier ce qu'on appelait autrefois l'apologétique. C'est-à-dire qu'il nous revient de nous former pour rendre compte de notre foi, non seulement en explicitant son contenu, mais en répondant. Aux objections, aux invitations à la discussion. On peut toujours épiloguer sur la manière dont la catéchèse est enseignée, dont la foi est transmise dans les paroisses, dans les collèges, dans les familles évidemment. Mais le fait est que les adolescents passent leur temps sur YouTube et c'est là qu'ils trouvent l'essentiel des discussions, l'essentiel des communautés auxquelles ils sont heureux de s'identifier et que beaucoup de ce que notre société laïque et athée appelle des valeurs sont exposés, justifiés, défendus. Il peut s'agir de positions philosophiques, comme la question du mal, par exemple. C'est probablement l'objection la plus sérieuse à la bonté de Dieu. Comment Dieu peut-il être Dieu Comment peut-on soutenir que Dieu est bon, puisque le mal existe Mais il y a aussi, évidemment, tous les phénomènes de société et de, de la vie morale. Aujourd'hui, le modèle familial d'un père, d'une mère vivant ensemble, dans la fidélité, dans la continuité, et vivant avec leurs enfants qu'ils éduquent eux-mêmes, aujourd'hui ce modèle devient marginal. Donc de même que l'Église en tant qu'institution, mais aussi en tant que évangélisatrice a besoin d'entendre, de dialoguer, de connaître les objections qui lui sont faites et d'apporter des réponses sérieuses, solides, qui permettent un débat constructif et qui aident à réfléchir. De même, dans la cellule ecclésiale qu'est la famille, les parents ont ce devoir apologétique envers leurs enfants. Se former non pas seulement pour rendre compte du contenu de la foi, mais aussi pour soutenir le dialogue qui montrera aux enfants qu'ils sont pris en tant que personnes, en tant que personnes raisonnables. Une discussion est toujours bonne quand elle commence à dire ⁇ mais comment en es-tu arrivé à cette position Qu'est-ce qui te fait penser ça Que penses-tu que le bon Dieu voudrait que tu fasses dans une situation comme celle que tu décris, etc. ⁇ Ainsi, frères et sœurs, je crois que cette discussion peut être l'occasion pour chacun d'entre nous d'être rappelé à l'urgence de l'évangélisation qui passe concrètement par notre capacité à entrer en dialogue avec le monde dans lequel nous vivons, prenant au sérieux ses objections et en accueillant avec un a priori positif ses questions, il nous revient de nous, de nous former pour savoir ce qui fonde ces positions et aussi pour être capable d'y répondre. Si les besoins réveillent en nous la curiosité intellectuelle et la passion pour les débats philosophiques et théologiques, et rappelons nous bien que la sainte famille n'a pas vécu dans un entre soi elle a vécu dans son village, dans son pays, dans le monde où elle était, sans s'enfermer dans un ghetto et sans renoncer à ce qu'elle est. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.